Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien. Et oui, nous avons tous survécu à la fin du monde. Qu'est-ce qu'on s'y attendait pas? Oh là là, franchement. Et vous allez voir que aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Donc les gars, allez-y, présentez-vous un peu. Alors, qui commence? Peu importe. Vas-y. bah moi c'est Snow9 sur le PSN, uniquement sur le PSN. Parce que je ne suis pas sur Xbox. Alors bah moi je serai pas souvent sur la chaîne parce que mes horaires ne me le permettent pas vraiment. Moi un peu pareil, mais bon. Bon. Même chose. Ouais. Ça et passe. Puis bon je joue beaucoup des FPS. Alors je sais pas si je jouerai tout le temps sur Call of quand Thomas fera une vidéo. On a BF3. Ah oui, on a BF3 aussi, bah c'est parfait parce que je joue aussi à BF3. Qui est un peu notre jeu favori quand même. Je vais laisser la parole à Chrysis. Oui, donc moi c'est Chrysis, Chrysis 58. Chrysis, pardon. Ouais, faut pas oublier les chiffres à la fin. Ah oui. Donc moi c'est... moi je joue plus particulièrement moi, sur PS3, sur Call of Duty. Après je fais quelques FPS, ouais, mais j'ai pas Battlefield, non. Bah, dommage. Voilà. T'as pas Battlefield? Oh, oh sacrilège. Sacrilège. Mais, il me semble que t'as quand même une chaîne YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, ouais, Crisis 58. Ah, j'y arrive. Ouais, tu verras, c'est pas sûr. C'est ça va. Que t'as commencé? Et moi, c'est Airvif. Ah, vas-y, Airvif. Et je joue sur PS3, j'ai que Black Ops 2 pour l'instant, je compte acheter Battlefield 3. Je joue principalement au DSR et au Cap 40. Ok, j'ai pas envie de te demander comment t'as trouvé ton pseudo parce que... Non, moi non plus. Ce sera un peu bizarre. Je veux pas les explications. Ok, bah moi j'ai pas besoin de me présenter, je crois, hein. Tout le monde a suivi. Fondateur de la chaîne. Au passage, petit fondateur de 430, donc bah moi c'est surtout sur Black Ops bah depuis peu de temps, parce que moi et Call of Duty, Johan... Au début c'était 100% battle. Voilà, et finalement, bah voilà quoi. On a dérivé un peu suite à l'arrivée de BO2. Ouais. Alors vas-y, tu peux te présenter. Ok, donc moi je me présente, enfin déjà je vous dis bonjour, moi je me présente, moi c'est Tronit HD ou Tronit FX, tout dépend le nom de ma chaîne, enfin sur quelle chaîne vous me suivez. Bah je fais des vidéos sur toutes sortes de jeux, tels que BO2, MW2, Far Cry 3, Need for Speed, Most Wanted, bref, plein de jeux, je joue sur le PSN et l'Xbox Live. Vous pouvez m'ajouter sur le PSN, mon idée c'est Tronit HD, Xbox Live c'est Tronit tout court. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bah merci, et Yagamis, si tu veux te présenter. Moi c'est Yagami, 23 ans, et joueur invétéré de FPS. Je jouais à Far Cry 2, j'étais en team, on était classé ESL. Après, je suis passé donc sur du CSS, j'ai passé du code, hein, Call of Duty, MW3, Black Ops et Black Ops 2. Et je suis en team actuellement donc avec Titom et les autres. Sinon, je suis agent de support sur le site Fanatic Game et aussi donc gérant de la chaîne Monsieur Yagami sur YouTube. Donc n'hésitez pas à passer, éventuellement à partager et commenter. Ok, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai vos liens dans la chaîne, dans la description de la vidéo. Je mettrai tous les liens. Pas de soucis. Ok. Et bien voilà, vous l'aurez compris, c'était la présentation de la team quasiment au complet, puisque il nous manque trois personnes. Donc trois personnes, il y a Anthony, Revo, et GetVTS, donc Gaëtan,
Donc je préfère les présenter comme ça parce que j'ai pas réussi, si vous voulez, à les avoir récemment. Et du coup, je les présente comme ça. Donc je mettrai leur chaîne pour ceux qui ont une chaîne YouTube dans leur dans la description, comme ça vous verrez à peu près leur boulot quoi. Et voilà. Donc je vais prendre un peu le temps pour cette fin de vidéo pour vous parler un peu de 2013, enfin de mes projets sur ma chaîne. Parce que en fait, je me suis aperçu de quelque chose, honnêtement. C'est que j'ai beaucoup introduit de projets en 2012. Mais vu que c'était vraiment mes débuts sur YouTube, puisque j'y suis vraiment depuis, on va dire, août, ouais, voilà, août, j'ai introduit sans forcément tenir mes sujets. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait un épisode, et vu que j'ai pas vraiment eu de retombées, j'ai pas continué. Voilà. Alors que j'aurais peut-être dû pour avoir plus de retombées. Par exemple, je prends l'exemple d'un épisode, c'était. Ah oui, les choses, j'avais appelé ça comment déjà? Les choses encore inconnues sur Battlefield 3. Donc qui consistait tout simplement à présenter les décors de Battlefield 3 auxquels on ne faisait pas attention. Donc ça pouvait paraître totalement bizarre, mais c'était genre les pubs qui étaient accrochées au mur, tous les détails franchement, parce que j'ai pensé à ceux qui avaient fait ça tout simplement, et je me suis dit que voilà, fallait, je pense. Il fallait insister tout simplement sur le travail des développeurs quoi. Et donc voilà, j'avais fait ça. Autrement, donc maintenant je vais vraiment continuer à suivre mes projets. C'est-à-dire que je vais pas m'arrêter là. Donc tout simplement, je vais commencer par une chose. Ça va être des débats. Des débats tout simplement parce que beaucoup de grands youtubeurs le font. Et je me dis, ah pourquoi il parle pas de ça? Pourquoi lui il parle pas de ça? Pourquoi tac tac tac? Voilà. Donc tout simplement, je vais parler maintenant de moi, enfin mes sujets, ce dont j'ai envie de parler tout simplement. Donc comme ça, je détaillerai vraiment. Donc je vous dis tout de suite le premier intitulé, enfin le premier débat, pardon. Le premier débat, ça va être le regard que portent les autres sur les youtubeurs. Donc je fais ça parce que tous les jours, franchement, tous les jours, je reçois des, enfin pas, je reçois pas de messages, hein. C'est pas ça, mais tous les jours j'ai des comment. Des. Comment dire ça? Pas des remarques, parce que c'est pas forcément négatif. Mais. Si, bah on va dire des remarques, par exemple, que ce soit de mes parents, de ma famille, des amis, de ceux qui me suivent sur YouTube. Et tous les jours j'ai des remarques différentes que j'aimerais vraiment partager avec vous. Parce que. Voilà, je pense que c'est important d'en parler. Peu de YouTubeurs en parlent. J'ai même pas vu de vidéo là-dessus, donc je tenais à vous en parler. Autrement, je vais imiter des voix sur les salons pour voir un peu la réaction des gens qui jouent, par exemple sur les salons de Black Ops, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, donc je vais pas vous dire quelle voix je vais imiter directement sur cette vidéo, puisque sinon je vais me faire un peu piquer mon idée, je pense. Et je vais en fait tout simplement. Sur mon Facebook, n'importe quoi. Sur mon Facebook, je vais vous dire. Enfin, il faudrait que vous me suiviez pour ça sur Facebook. Je vous oblige pas, hein, c'est pas du tout pour ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment pour pas qu'on me pique mon idée. Je vous invite vivement à suivre, parce que je donne vraiment tous les détails sur mon Facebook de tout ce que je fais, mon Twitter aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai mis en avant-première sur mon Twitter un lien, puisque j'ai mis une vidéo en non répertorié. Et ceux qui étaient abonnés à mon Twitter ou Facebook avaient un avantage, c'était qu'ils pouvaient aller voir la vidéo, par exemple, quelques heures avant. Donc voilà. Donc je vous propose de le rejoindre, ce fameux Twitter et Facebook, d'aller voir notre vidéo, notre dernière vidéo zombie, parce qu'on a fait un premier zombie pour une fois. Avec Revo et Crisis, donc je ne suis pas tout seul. Je pense que ça peut être pas mal intéressant si vous allez voir. On a fait ça en mode détente, vraiment pour s'amuser. Donc voilà. Voilà. Autrement, que vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, tout simplement. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que c'est quand même le plus important entre le like et le commentaire. Enfin, non, le commentaire et le partage, je sais pas lequel est le plus important. Mais le partage est quand même très important parce que ça nous permet de nous faire connaître. Donc voilà, je vous propose de partager cette vidéo et je vous dis à plus. Peace!